En Chine, au mois de février, le taux d'inflation est passé à 3,2% sur un an. Ce chiffre est à prendre avec précaution car le nouvel an chinois, qui est chaque année synonyme d'augmentation de la consommation, est tombé cette année au mois de février. Ainsi, à l'intérieur de ce taux de 3,2% d'inflation, on constate que les prix alimentaires ont grimpé de 6% en février, toujours sur un an. Si les prix augmentent trop, la Banque centrale de Chine va resserrer sa politique monétaire, ce qui menacera alors le rythme de l'activité économique en Chine.